Bonjour les loulous. Alors, nous sommes... Sixième jour. À la Saint-Nicolas. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on va avoir des surprises spéciales aujourd'hui? Ouais. Mais aussi, on a oublié d'ouvrir le Pokéball la dernière fois. Je sais. Bon, ben, on Laura a décidé que ce serait pas le Pokémon. Non. On commence à voir derrière. Il est bloqué. Par contre, après, tu vas pouvoir garder la boîte. Oui. Et ouais, les styles. Pour ranger tous tes bijoux. Non. Mais. Pour ranger. Ah, c'est un truc pour les cartes. Livres. Ouais, c'est un truc pour les cartes. C'est les sortes de lanières comme ça. Oui. Ah, pour. Moi, je mets ça aux clés. À mes clés. Ah, ouais. Waouh. Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Je vais me prendre un coup de coude aujourd'hui. Un coup de coude. Donc, maintenant, on passe la Pokémon. Maintenant, je sors le Pokémon. 5 et 6. Du coup, on ouvre le 5 et le 6. Oui. Enfin, on essaye. Oh, oh, ça, tu as... Qu'on n'arrive pas à sortir de la boîte. On, que tu n'arrives pas à sortir de la boîte. Mais il est bloqué, allez, des bois là, à la place de regarder. Oui, d'habitude, Laura l'aide, mais là, elle est trop occupée avec son truc. Il est beau le sortir. Il est trop mignon. Il est vraiment une petite bouille de bébé. Ouh là là, maman, elle va devenir folle. Et le carapuce argenté. Il est pas là, qui mon petit Pokémon préféré. Et puis Fortnite. Oh, et puis Fortnite. Je vais pas assez vite. Et c'est la bananas. C'est la bananas. Bananas. Elle est trop cool. Oh, elle est excellente. Elle est trop cool. Oh. Elle est trop choupinou. Ouais, dans le jeu aussi. Comme dirait ma fille. Ouais. Stylée. C'est excellent. Oui. Elle est trop cool. Paf. Ouais, paf. Alors le 5, le 6, pardon. Pardon. Elle est là, c'est trop. Il est trop stylé. Par contre, il est hyper dur à enlever les cases. Hein. On fait ça délicatement. Et même délicatement, j'arrive à le péter. Oh oui, tu fais ça très délicatement. Mais arrête de te casser, toi. Oh ouais, un sticker. Allomora. Allomora, ben ça veut dire. Allomora. Ça veut dire. Je sais plus c'est quel sort, celui-là, par contre. C'est le sort pour le Maui. Mais oui, je suis sûre que ça existe. Allo, Amai. Jesus, j'ai faim. Moi, c'est où les 6? Je suis Poké un peu plus là. Je te protège. Ils ont du violence. Tout ça pour un chocolat. Ouais, c'est ça, quoi. Oh, tiens, c'est un blanc aujourd'hui. Ça sent encore le calendrier. Mais c'est bon, donc je m'en compte. Elle a balancé un morceau de chocolat dans son œil. Je l'ai vu voler comme ça. Blanc dans son œil. Il y a du piment dans ton chocolat. Je n'ai pas suivi. Mais non. Qu'est-ce que c'est, petit canard devant un Haribo? Le 6. Le 6. Ça me recule. Oui. Attends, non, tu peux. Maman, tu peux. T'as... Le 6, il est là sur le côté en dessous. Ici, en dessous, là, sur le côté. Au-dessus, ouvre tes yeux. Maman, t'inquiète. Maman, t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. Maman, t'inquiète toujours. Pendant au moins. Ah non, ça marche pas, l'explosion. Faut pas oublier Jack. Non, c'est pas fini. C'est Star Wars. Non, c'est pas fini, je vous dis. C'est moi qui l'ouvre, Star Wars. Hein? Raphaël, non. Non, pas tout en une fois. Non, sinon, tu ouvres plus, toi. Non, c'est pas l'exemple que tu montres. Ouais. Remets les autres bonbons dans le sac. Tu remets les autres bonbons dedans. Voilà. Maintenant, on commence. Enfin, on finit. Non, il y a encore Jack après. Oui. On avance vers la fin. Voilà, c'est mieux. Elle qui sait pas parler. Et si je sais très bien parler, mon English est parfait. Elle ne sait pas tenir un petit sachet non plus. Voilà, on ouvre et c'est un petit bonhomme de ski. C'est un stand. C'est un bonhomme de neige. Ils sont excellents, les petits bonhommes de neige. On n'en avait pas déjà eu un, voilà. Ouais, mais c'était pas un stand.
C'était Dark Vador. C'est Dark Vador. Ah oui, c'était Dark Vador. Ouais. Genre, je t'ai renfoué là-dedans. Donc, tu vois les canards? C'est la tête des canards. Le 6, le 6 d'abord. En fait, il pense encore un nœud. Ah, wow. C'est un jeu, ça n'a rien ça, à voir. Hein. Pour les canards. Ah, ça va bien. Ah, mais ça te va super bien. Ouais. Je te l'attacherai pour aller à l'école si tu veux. On veut voir Jack. On veut voir Jack. Ah, il va être vite. Il va être vite. D'abord, les calendriers que ma fille ne me laissera pas l'occasion d'ouvrir. Tu veux l'ouvrir? Oui, c'est bon, continue. Ok. Ça souffre pas. Comme ça, tu casseras tout ta... ouais, mes doigts. Ça souffre pas. Je suis trop belle. Je n'osais pas te le dire, mais... Mais oh, pas ça. Alors. Ah, tout ça pour rien. Ah, c'est Bimax. C'est Bimax. Mais la qualité est toujours très très nulle. Médiocre. Tu as acheté ça où? Sur AliExpress, je crois. Hein? AliExpress? C'est AliExpress ou Amazon? Ça, c'était un gif. Ah, ok. Ouais. Mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ouais, bah écoute, c'est le mieux. Il est magnifique. Comment ça t'en fait? Il est magnifique. Oui, ça serait dommage qu'il ne voit pas de fou. C'est ça, quoi. Donc il on est passe aux breloques. Une petite breloque. Elles sont mignonnes, les petites breloques. Elles sont pas très grandes, mais elles sont mignonnes. Ah, voilà. Ça, c'est une à pendre. Et ton gros doigt. Un petit sucre d'orge. Oh, il est beau. C'est toujours mignon, un petit sucre d'orge. Et voilà. Jack. Le plus nul avec les porte-clés. Nous sommes au 6. Je suis en train de tout casser pour... Rien trouver. Il y a quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Ah. C'est de la bulle. C'est pire que moi. Pas sorti. Ah ouais. Une araignée. Un chapeau. Oh non, c'est tellement nul. J'avoue que... J'avoue. Très mauvais investissement. Allez. Et on va terminer quand même avec un calendrier qui en vaut la peine. C'est encore Ali. Ah. C'était Ali, c'était pas juste. L'année passée, j'avais pris des Ali, ils étaient beaucoup mieux que cette année, hein. J'avoue. Mais on finit sur un petit pari, Donald. Moi, ouais, je crois. Moi, je pense Daisy. Daisy. On vient d'avoir Daisy hier. Ah oui, alors c'est Donald. Ah non, plutôt, je vote plutôt. Lego. Ah, ouais, donc tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai dit au pif. Oh, il est trop mignon. Oh, il a une lettre pour le Père Noël au pôle Nord. Comment il s'est trompé? Ça va jamais arriver. Il habite pas au pôle Nord. Bah, si, il habite au pôle Nord. Non, il habite. En Laponie. Non. En Laponie. Non. À Rovaniemi. Oui. Bon, mais voilà. Sur cette petite touche de fin, on vous dit. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous. À demain. Salut.